J'étais déjà gérante d'une société dans le nautisme. La Chambre des métiers m'a mis en relation justement avec la Technopole. L'accompagnement de VIM nous a permis de répondre à un appel à projet d'expérimentation numérique, ce qui nous a permis deux choses. Une première chose qui est l'exploration de nouveaux segments de marché et nous a permis aussi de recevoir une subvention de la région Bretagne de 40 000 euros. Donc la Technopole nous a accompagnés dans la structuration de notre projet et nous a accompagnés dans la démarche French Tech auprès de la Banque publique d'investissement. La bourse de 30 000 euros que nous avons obtenue nous a permis de développer la version bêta de notre site buldi.fr. On m'a mis en réseau avec des personnes compétentes pour passer d'une idée à une réalité. Alors, l'accompagnement de VIP a été hyper structurant pour nous. Elle nous a permis d'abord de rentrer dans le cadre d'Emergis, l'incubateur de la région Bretagne et des 7 technopoles. Et ensuite, nous a structuré dans toute la démarche d'accompagnement et en fait pour savoir se faufiler entre toutes les aides publiques ou les écueils et les pièges à éviter. Vocabulaire un peu marin, mais c'est vrai qu'on est à Vannes, ici en Bretagne. L'accompagnement m'a apporté principalement un échange avec des personnes de haut niveau, avec une vraie expertise dans l'accompagnement. C'est un petit peu un effet miroir qui permet à chaque fois, sans concession, mais avec bienveillance, d'avancer sur les thématiques que l'on rencontre. C'est vrai que la Technopole vous aide en toute gratuité. Quand on monte une boîte, c'est vrai qu'il y a pas mal d'écueils à éviter, que ce soit par manque d'expérience ou même par manque de clairvoyance. Dans le cadre de notre collaboration avec le VIPE, nous avons pu être mis en relation avec des interlocuteurs de qualité, avec qui du reste nous travaillons toujours, que ce soit pour les bureaux d'études, pour les industriels ou encore pour les professionnels du marketing ou de la levée de fonds. L'accompagnement nous a permis, après une phase d'observation du marché, de pouvoir décider de l'accélération de notre modèle. Et VIP nous a permis de rentrer en contact avec les différents acteurs du territoire, entre autres de solliciter la région Bretagne pour une aide spécifique InnoR&D qui nous a permis d'automatiser tous nos flux d'informations et d'accélérer le développement de nos programmes. La Technopole, c'est les seuls avec lesquels vous pouvez échanger en étant en confiance. Alors nous sommes accompagnés par VIP depuis 4 ans, depuis l'origine de l'aventure du développement de SNA de façon industrielle. VIP nous a permis d'accéder à différents financements, nous a permis aussi de nous préparer à mûrir. Ça s'est concrétisé dernièrement avec les rencontres RGO. Ça nous a permis de rencontrer plusieurs investisseurs en quelques heures. Et là, nous sommes en phase de concrétisation avec certains investisseurs. L'accompagnement m'a apporté des formations dans les outils de gestion et de management d'une entreprise au jour le jour. Et pour finir, il n'y a pas de réel projet sans un réel accompagnement. Je qualifierais l'accompagnement de VIP en un seul mot, et ce mot est GPS. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, VIP nous accompagne et permet de situer Dawiz dans le montage de son projet. Professionnel. Professionnel parce qu'il y a ce niveau de confiance qui est mis en place et qui est fondamental pour un chef d'entreprise, c'est d'avancer en confiance dans son projet, mais toujours cette idée de que la personne se lui dise « Attention, là tu prends un risque ou tu te trompes de direction. » C'est un avis qui est bienveillant et avec lequel on peut avancer. Bienveillance, parce que encore une fois, lorsqu'on monte une boîte, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, on fait des erreurs, et c'est toujours intéressant d'avoir un interlocuteur qui sait de quoi on parle et qui peut nous comprendre pour nous remettre sur le droit chemin. Efficacité, parce que en tant qu'entrepreneur, on n'a pas beaucoup de temps, on est dans un domaine qu'on maîtrise pas bien, et donc de ce fait-là, ça a permis de gagner beaucoup de temps et surtout préserver l'énergie pour qu'on mette l'énergie au développement de l'entreprise et pas forcément à rechercher différents financements ou en termes de pilotage également. Réassurance parce qu'on est dans la création de l'entreprise, on est un peu seul. Et réassurance parce qu'on est aussi face dans une logique d'accélération, dans un environnement qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est rassurant de pouvoir être accompagné dans cet objectif-là. Essentiel. Pour nous, VIPE nous a fait franchir des étapes essentielles dans le développement de notre société. Je dirais développement. C'est comment partir d'une idée d'entreprise et en créer une vraie entité viable. Comme un phare. VIP nous a guidés dans les différents écueils, dans la structuration des débuts de la société. D'ailleurs, grâce à VIP, nous sommes lauréats du prêt d'honneur d'amorçage régional, le prêt phare. En un seul mot,
tout cet accompagnement depuis 2016, ce serait merci. Merci.